Ah, que diable avons-nous besoin de passer par le marché ? Eh, mon petit monsieur, c'est le seul chemin entre le port et la gendarmerie. Allez, venez voir mes melons. Ils sont pas chers, ils sont bons, mes melons. Ah, mais je commence à en avoir ma claque, moi. Mais il est inutile de s'énerver. Nous sommes bientôt arrivés. Pas vrai, Gégène? Ouais. Ah, nous y sommes. Ça va bien, très bien. Comment, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ibé, c'est grand ici. Eh oui, mon petit monsieur, c'est le palais de justice ici. Pas de description cette fois-ci? Veuillez entrer dans cette pièce, monsieur Nain. Prenez place sur cette chaise. Et hop là! Bon, maintenant que je suis là, vous pourriez quand même m'expliquer qu'est-ce que je fous ici? Eh bien, usage de faux, fraude, fraude fiscale, fraude sociale, fraude frauduleuse, fraude naine, fraude elfique. Fraude elfique, moi? Jamais j'en mettrai ma barbe rasée! Ouais. Ah, et le plus récent? Arrivée clandestine dans le royaume de Nice. Mais je ne suis pas clandestin! Je suis passager non déclaré! Et j'ai fait prendre un peu l'air à toutes ces bonnes vieilles boissons solitaires qui erraient dans cette cale depuis des années! Bah, on en revient aux différents points cités précédemment. Et on peut y rajouter consommation de biens d'autrui. Oh! Mais c'est pas bientôt fini, ce bouquin? Et voilà! Bon, avez-vous quelque chose d'autre à déclarer? Enfin, je... Très bien, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ok. Faire d'histoire. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi, bande de molles couilles! Je n'ai rien fait de tout ça! À d'autres. C'est ce qu'ils disent tous. Pas vrai, Gégène? Ouais... Une nouvelle aventure commençait pour Moï, car même s'il se trouve actuellement en prison, il n'allait pas tarder à en sortir. Ah, un revenant! Eh bien, ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendu, toi. D'ailleurs, vas-tu enfin m'expliquer à la fin avec qui parles-tu? Ok, je vais t'expliquer. Bon bah, comme tu le sais, je suis mortel. Et la seule chose que je peux actuellement faire est de communiquer avec les autres. Eh bien, les autres quoi? Les autres, Les autres, Les autres, Et est-ce que je peux leur parler, moi aussi? Non, pas toi, petit mortel. Ok, mais... Est-ce qu'ils peuvent nous aider, alors? Non, ils n'interviennent jamais directement sur les événements. Tu vas devoir te débrouiller par tes propres moyens, mon petit nain. Et toi, tu ne veux pas m'aider à sortir de là, peut-être? Je peux pas. Il manque un joyau à mon anneau qui me permettrait de retrouver mes pouvoirs et par la même occasion, ma mémoire. Mais alors, tu sers juste à décorer, en fait. Ferme-la. Boop. Tu vas arrêter de parler tout seul? Tu commences sérieusement à taper sur le système? C'est à ce moment précis qu'un homme sortit de l'ombre tel un assassin et dit... Ouais, si tu ne la boucles pas, on se chargera de te suriner ta gorge. Me susciter? Qui? Non, te suriner jusqu'au sang. Eh oui. Et c'est qu'il saute, ce petit. Je ne saute pas. Je suis un homme serpent. Tu ferais mieux de ne pas être aussi satirique à mon égard. Je suis ici, car je suis un assassin. Et alors, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me faire à travers ces barreaux? Me potionner au visage? Il faudra mieux de te calmer, ne rigole pas. Oh,
Il pourrait te tuer à distance. C'est un Anguinis. Un quoi ? C'est une race d'hommes serpents qui est plus que mortelle. Ah, ok. Même les démons en sont effrayés. Ah bon ? Bon, d'accord, les démons de rang inférieur. Mais les démons quand même. Ah ouais, ouais, d'accord. Attention, quoi. Bon, c'est pas comme si je risquais une situation pire que celle-là. Enfin, quoique... tiens, d'ailleurs, comment tu t'appelles, la couleuvre ? Angus. Et je peux t'assurer qu'à la première occasion, je te sucerai le sang. Alors retiens bien mon nom, petit sac de viande. Hé, hey, Angus, excuse le nain, il est pas très malin. Et pourquoi l'excuserais-je ? Parce qu'il pourrait te faire sortir d'ici, hein, à condition que tu nous assures de pas nous tuer. Mais je ne veux pas qu'il sorte de là, le cobra. Ferme-la, j'essaie de te garder en vie. J'ai besoin de toi pour une quête de la plus grande importance. Hein ? Mais quelle quête ? Bon, je voulais te faire pourrôter encore un peu en prison, mais on n'a pas trop le choix. Tu vas finir par te faire tuer et je serai coincé ici jusqu'à l'éternité. Qui est avec toi, le semi-homme ? Après plusieurs tentatives d'explication logique de la part de Moïr... Un dieu ? Dans un anneau ? Chut, pas si fort. Bon, maintenant tu vas m'expliquer ta quête. Et j'espère qu'il y a de l'or à la clé. Sinon, c'est sans moi. Ne t'en fais pas, ta quête, si tu l'acceptes, te permettra d'être riche et pardonné par les mains. De l'or ? Corne bidouille, j'en suis ! Attends, je t'ai pas encore expliqué. S'il y a autant d'or que tu le dis, que je peux sortir d'ici, je vous suis. Bon. Comme vous le savez, il manque un joyau à mon anneau. Et ce joyau se trouve être dans le temple où Moïr m'a ramassé. Il faut donc que vous récupériez mon joyau, que vous l'insériez dans l'anneau, et je retrouverai mes pleins pouvoirs. Cela me permettra de redevenir tout puissant et d'exaucer n'importe lequel de vos souhaits. Vous êtes partant ? Tant que je remplis ma bourse ! Je veux bien, mais comment on sort de là ? Même si j'ai plus de pouvoir, je reste omniscient. Je vous indiquerai quoi faire pour sortir de là. Cela me semble pas mal comme plan. Alors approchez. Et écoutez bien. Après d'innombrables tentatives de compréhension de la part de Moïr, nos deux prisonniers étaient fin prêts à s'évader. Bon, je crois avoir compris. Mais d'ailleurs, y a pas un peu de bière dans le coin ? Pendant ce temps, au loin. La journée fut éprouvante. Quel temps épouvantable. Lugubre, tout à fait lugubre. Qu'est-ce donc ? Boulet de canon ! Aux armes, aux poches ! Aux armes ! De retour à la prison. Je connais ces canons. À tous les gardes sur les champs de bataille, on a besoin de toutes les forces nécessaires. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? Notre échappatoire. Ouais, un trou dans le mur. Mais dans la cellule d'à côté. Je compatis, mon ami. C'est vraiment pas ton genre de chance. Hé, hey, mais revenez, bande de cagougnes. Hé, hey, l'anneau, tu as pas dit qu'on pourrait sortir grâce à ces conneries ? Sois patient. Ces prisonniers se feront rattraper de toute façon. Attendre ? Mais seuls les elfes attendent. Seuls les bourrins n'attendent pas. Chut, il arrive. Qui ça, il ? Ah là 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 là. Qui vais-je bien pouvoir libérer ? Tiens, ce nain, ça risque de bien emmerder notre boulet. Qui ? Salut le nain. Qu'est-ce que tu dirais de sortir d'ici ? C'est à moi que tu parles là ? Ah bah oui, pourquoi ? Je n'accepterai jamais l'aide d'un elfe. Hein ? Mais c'est... Hey, l'elfe, libère-moi et je libère le nain. Il n'acceptera jamais, sinon... Bon. Autour du nain. Ah, merci bien, le python. Une fois riche, tu succomberas sous la torture. Eh bien, on dirait que vous amusez bien ici. En avant, fonçons avant qu'il soit trop tard. Qui a parlé ? Suis-nous d'abord, et je t'expliquerai en chemin.